Maintenant, je vais dédouaner. Le petit drapeau tunisien flotte sur tribord. La température ici pour l'instant, ben, elle est agréable, mais en France aussi, elle est même très chaude en France, je crois savoir, puisqu'il y avait encore hier 35 degrés en France. Ici, on est plutôt aux alentours de 30 degrés à l'heure qu'il est maintenant. Il est 17h06 local et dans une heure, il fait nuit, hein, pratiquement. Dans une heure et demie, il fait nuit. Donc, on est très est et on est très sud, plus sud du moins que évidemment quand on est sur la Côte d'Azur. Donc, la nuit tombe assez vite. Le jour est là de bonne heure, mais la nuit tombe très vite. Et le soir, c'est très agréable, la température, puisqu'on est aux alentours de 24-25 degrés. On se promène comme ça, on est, c'est très bien, c'est agréable. Donc, je vous fais voir quelques petites choses sur Monastir, comment c'est fait, le bien et le moins bien aussi, vous allez voir. Les bouteilles plastiques sont jetées partout, par terre, dans le port, vous avez des bouteilles plastiques partout. On n'est pas sorti du plastique, hein, je vous le dis. Hein. On n'est pas sorti du plastique, c'est très dommage. C'est très très dommage. Je pense qu'à l'heure où vous allez voir cette vidéo, vous serez plus en train de penser aux fêtes de Noël et au salon d'automne éventuellement. N'hésitez pas à vous faire plaisir, à voyager, bouger et visiter. Ça va. Le ponton d'Antekoum est là. Et Antekoum se trouve là. Bon alors, le coiffeur, génial, c'est une grande expérience.
Hop. Alors. Ma minette. Bon. Voyons, hein. Voilà le petit tour dans Monastir. Il fait encore 31 degrés dans le bateau, 30 degrés dehors, 42%. Là, on a toute la marina. Quand on arrive de par ici. Là, il y a une petite presqu'île. Enfin, c'était une île qui a été fermée donc, pour faire la marina derrière. Une grosse dépression entre la Sicile et l'Afrique, par ici. Donc, il y a une grosse dépression là-bas. Bon voilà les loulous, alors nous sommes au mois de septembre, plutôt fin septembre maintenant de 2023. Je suis en train de faire un petit peu de nettoyage sur le bateau, je finis et je fignole les poussières, quelques petites traces de moisissures que j'ai enlevées. Je pars de Tunisie, je prends l'avion pour rentrer chez moi. Dans à peine une semaine, c'est-à-dire dans 6 jours. Et pour clôturer cette saison 2023, je vais faire un petit remerciement, et il y a des mouches, je vais faire un petit remerciement aux gens qui sont venus nous rencontrer tout au long de cette période. Donc je pense à Xavier sur un Dufour 500 que j'ai rencontré à la Calobra. Je pense à Stéphane sur l'Oceanis 390 que j'ai rencontré à Solaire, qui lui devait venir ici aussi mais qui a changé d'avis pour des raisons techniques. Je pense aussi à Séverine sur son Dufour 375 qui est à Port-Camargue, que j'ai rencontré aussi à Solaire et que j'ai de bons souvenirs d'une soirée passée avec eux. Je pense à Anne et Didier qui ont aussi un Dufour 375 que l'on a rencontré avec Catherine à Polensa sur Majorque. Fred et Anne-Cécile sur un Lagune 400 à la Cala Emporteur qui est venu me dire bonjour. Et je pense aussi à Christian qui était leurs amis, qui était sur un monocoque juste à côté d'eux. Donc bonjour à toutes ces personnes et aussi bonjour aussi à Richard et Frédéric sur leur Jeannot 500 qui viennent d'arriver à Monastir, que j'avais rencontré avec Catherine il y a 3 ans. Et bien sûr bonjour aussi à toi Stéphane, on a régulièrement contact et donc je sais que tu vas arriver, mais quelques jours après que moi je sois parti, on se verra peut-être en novembre quand je reviendrai sur Monastir. Donc je vous souhaite tous une bonne année, une bonne fin d'année 2023. N'hésitez pas à envoyer des messages. N'hésitez surtout pas pour aider la chaîne à mettre ta notification, la petite cloche.
de Monastir pour Kiba. Je viens de faire mon enregistrement Transavia, donc pour mon bagage qui va en soute. Tout se passe bien. La petite Minette fait partie du voyage. Hein, Yoko ? Ça va ? Pour l'instant, ça se passe bien pour la Minette. Direction Marseille. Ah, plus tard, de toute façon, je reviens en Tunisie dans assez peu de temps, normalement pour la Toussaint. Une minute. Bon, ils ont même pas posé la chatte, rien du tout. Minette fait de l'avion, mes chéris. Hein ? Minette fait de l'avion. Attention. Allez, ça repousse. Gardez votre ceinture attachée et visible afin de faciliter la vérification en cas de turbulence. Nous vous rappelons que fumer dans les toilettes porte atteinte fonctionnement des détecteurs de fumée sera passible de poursuite. L'utilisation de la cigarette électronique et l'achat de sa batterie sont interdits. Ladies and gentlemen, the flight will come and escape from the air force and invisible in case of turbulence. Smoking the toilet is the most dangerous global with protection. The use of the electronic cigarette and charge battery is forbidden.
Frioul. Le temps de Berre derrière. On est en approche. Je suis donc de retour de Tunisie. Je me suis posé à Marseille et j'ai Nico du voilier L'Or du Temps qui est venu me chercher à l'aérodrome hier. Nous avons passé la soirée ensemble et j'ai été invité chez eux. Je les remercie, Nico et Christelle du voilier L'Or du Temps, pour leur sympathique invitation à passer la soirée avec eux, ce qui m'a permis bien sûr de me reposer avant de repartir vers mon domicile.